C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais. Et la responsabilité des salariés qui sont dans le cachet. Aujourd'hui, très mobilisé, comme vous pouvez le voir, toutes les professions portuaires sont représentées, ce qui signifie, et pour les uns et pour les autres, et pour les élus par exemple, l'importance donc et d'un grand port maritime, l'importance d'une navale, c'est comme ça qu'on peut dire. Et justement, la mobilisation aujourd'hui démontre avec force l'attachement et des professions portuaires, et y compris de la population, puisque je m'aperçois que beaucoup de citoyens sont venus accompagner donc, ce mouvement. Et donc, ça prouve l'attachement et des professions, bien sûr, et des Marseillais, on va le dire comme ça, à la fois à leur port, bien sûr, et aussi à la navale, c'est comme ça qu'on l'appelait, à la fois pour la continuité territoriale envers la Corse, bien sûr, mais aussi pour le Maghreb. Et aujourd'hui, la SNCM vit un moment très dangereux pour elle. Et donc, nous allons tout faire pour permettre qu'elle puisse enfin redémarrer et correctement, y compris avec une participation de l'État bien plus importante. J'ai participé en 2005 déjà à cette mobilisation. Et aujourd'hui, je vois que tout est à recommencer. Donc, nous sommes dans une période où tout est remis en question, tous les acquis, etc. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec le fond de roche, nous allons pouvoir renverser la vapeur. C'est ainsi que je crois. Ça veut dire que dans ce que tu dis, la question du retour au service public, de la navale, du port, se pose dans cette élection, à la fois ces élections présidentielles et législatives. L'enjeu de la bataille aujourd'hui est à la fois syndical et aussi politique. C'est exactement cela. L'enjeu est à la fois syndical, bien sûr, avec toutes les limites du mouvement syndical, évidemment, mais qui porte quand même des revendications que nous pouvons reprendre, non seulement reprendre, mais être en osmose avec le plan politique. Je, en tant que militante communiste et membre du Front de Gauche, et aussi candidate aux élections législatives, je serai bien entendu très à l'écoute de ces professions, et bien sûr pour construire ensemble un véritable projet alternatif dont le corps a besoin, mais dont la ville a besoin aussi. Voilà ce que je voulais dire. Et oui. Notamment, par exemple, j'oubliais de dire que nous sommes dans un secteur où le remède est en prise directe. Donc on voit bien qu'on essaie de chasser tout ce qui est professionnel, industriel, tout ce qui est à statut, par exemple, pour ce qui concerne les salariés de la SNCM, pour mettre bien d'autres choses. Nous allons combattre cela. Il me semble que ce port, depuis tant d'années, avait la preuve, avait la démonstration qu'il était important pour la population, pour le travail, pour l'avenir des Marseillais, bien entendu, en premier, mais aussi l'intervalle. Tu es donc la candidate qui porte en fait un projet politique pour un travail à Marseille bien rémunéré et non pas un emploi low cost. C'est ainsi. C'est bien exprimé comme cela, mais oui, je suis la candidate qui porte tout ça. Ça fait beaucoup pour mes frères les épaules, certes, mais je pense que je ne suis pas seule. Je suis une candidate et je représente une force derrière moi, une force militante, et donc avec tout cela, nous allons mener. Oui, en même temps, je crois que ce que tu dis est véritablement en adéquation avec ce qui se passe dans toute la France, avec l'accueil qu'a le Front de Gauche et son candidat Jean-Luc Mélenchon. C'est un osmose direct, on le voit aujourd'hui, la mobilisation le démontre. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais chaque fois que nous faisons l'initiative, à chaque fois, c'est l'enthousiasme qui, même personnellement, il y a longtemps que je n'avais pas reconnu ce type d'enthousiasme. Donc je sens quelque chose qui monte, une colère certes, on est en train de transformer cette colère en bien autre chose, et je crois qu'aujourd'hui, on peut peut-être gagner sur ces plans de lutte. Avec ton seul nom comme au bas, les lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible,
à dire. Quand le temps d'une